Chacun a rêvé entendre la symphonie des nombres premiers. Chacun a voulu être le confident des nombres premiers. Tous les scientifiques, toute personne qui s'est intéressée à un atome de la science s'est posé la question sur les nombres premiers. Et enfin, avec El Moubin, vous allez comprendre. Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On entre directement dans le vif du sujet. Un frère m'a envoyé le mail suivant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Mustafa. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu mon frère. Je te contacte au sujet de ta vidéo « Qui a codé le coronavirus ?» Tout d'abord, un grand bravo pour tes découvertes sur les nombres premiers. Je te suis sur YouTube depuis plusieurs années et tu continues encore et toujours de m'épater. Masha'Allah, qu'Allah te facilite dans tes recherches et qu'il les fasse fructifier. Jazakallah wa kulla khair pour ce que tu penses de moi. Sallallahu alayka dunya wa l'akhir. Pour en revenir à la vidéo, je n'ai pas encore fini de la visionner, mais j'ai remarqué une petite erreur à, dans la partie « Tu veux connaître le code avant de croire au codeur ». Lorsque tu as numéroté les lettres du mot « coronavirus COVID », tu as oublié la lettre « A ». Du coup, la somme devient 227 et non 226, comme tu l'as énoncé. Et donc, la suite de ta démonstration est faussée. J'ai tenté une approche en me basant sur ta méthode. Tu me diras ce que tu en penses, Inch'Allah. Coronavirus COVID-19, somme numérotation alphabétique 227. Somme numérotation avec le nom en arabe 333. 227 plus 333 égale à 560. 560, quotient 23. Le reste de la division par 23 égale à 24. Mode 23 égale à 8 et quotient sont OK. On obtient donc, si on additionne, on arrive à 23, d'autre part, on arrive au 63. Parfait. Qu'Allah te récompense pour le travail remarquable que tu fais. Ya akhi, fa'inama tuwallu fa thamma wajhullah. Ces codages qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, ils sont là pour pointer vers lui. Donc, quelle que soit l'approche que tu fais, tu ne peux que tomber sur les fameux nombres. Donc, ça ne m'étonne pas ce que tu as trouvé. Maintenant, je vais te montrer quelque chose qui va te déstabiliser à l'infini. Donc, normal que l'erreur glisse, je brasse des milliers et des milliers et des milliers de chiffres depuis 2 ans et demi. Et crois-moi, mon frère, j'ai tout essayé pour casser le raisonnement. Tu vois, je passais des nuits blanches à essayer juste de ne pas tomber sur les nombres de Al-Mubin, mais je n'ai jamais réussi. J'aurais bien aimé, peut-être, une fois tordre le cou au raisonnement, mais non. Entre parenthèses, le tordre le cou. Au début, je m'amusais à essayer de casser ça. Je disais, ces nombres sont vivants. Ils m'étonnaient, subhanallah. Ils m'émerveillaient, ils m'impressionnaient. Maintenant, regarde, je vais te déstabiliser à l'infini et tu verras que Allah veille. Observe. Donc, c'est ça. Le tableau, il y a eu la faute, l'erreur. OK? Donc, regardez bien, coronavirus, COVID-19 en français. Et en arabe, il n'y a pas eu d'erreur. Mais ici, j'ai oublié le A. OK? Corone, d'accord? Bon, tu remarques bien le 22 et le 22, le 44 qui va appeler le 193. 193 moins 44 égale à 149. 149 va appeler le 35, son rang. Et 149 moins 35 égale à 114. Parfait. Donc l'erreur a glissé ici. Parfait. 14 plus 12, ça nous fait quoi? Ça nous fait 26. Observe. Parfait. Donc le A, il a été oublié ici. D'accord? Parfait. Maintenant, observe. On va commencer ici. Donc on va rectifier l'erreur. D'accord? Donc observe bien. On va rectifier l'erreur. Là, tu vas rencontrer des choses qui vont te dépasser à l'infini. C'est phénoménal. Donc voilà, j'ai rectifié l'erreur. Corona, virus, COVID-19. Virus ou corona, COVID-19. OK? C'est ça le principe. Observe. Donc, le A a été rajouté. Donc, devant le A, il y a un, n'est-ce pas?
En arabe, devant le kaf, il y a 22, n'est-ce pas? Tu vois bien que, regarde l'erreur où il a été commise, 1 plus 22 égale à 23. D'accord, tu as vu l'erreur où il est tombé. Donc tu as vu le 22 et le 22 ont formé le 114. Et là, donc tu as le A, 1 et 22, ça fait, n'est-ce pas, 23. Parfait. Et maintenant, 22 moins 1 égale à 21. Observe bien. Observe bien. On va commencer ici. Donc, tu vois tout le tableau qui a été fait. On va commencer ici. Donc, je me dis, OK, j'ai fait l'erreur ici. D'accord? Donc, je vais sommer par rapport à ici. OK? Donc, j'ai commis l'erreur ici. Ça va couper cette ligne en deux. Premier groupe. D'accord? Deuxième groupe. Observe bien. Observe, tu vas être étonné. On va réduire un peu, comme ça, peut-être on va, voilà, on va pouvoir voir le tableau en entier. Observe bien. Donc, le total ici, tu vois, 162. Le total ici, tu vois, 375, n'est-ce pas? Le reste de la division du 162 par le 23, qui est la durée de la révélation, égale à 1. Maintenant, tu as compris le principe. Le reste de la division du 162 par le 114, qui est la révélation, égale à 48. Tu es d'accord? On applique la même chose ici. Ici, j'ai mes rangs. Le 1 est un nombre composé. Le 7 est un nombre premier, c'est pour ça qu'il fallait mettre le 4. Et le reste de la division du 375 par la révélation égale à 33. Tu connais le 33. Le 33 est le rang du 137. 137 moins 114 égale à 23. N'est-ce pas? Observe bien la beauté de la chose. Concentre-nous ici. Donc regarde bien. Ici, voilà, la somme maintenant de tout ça. Tu vois? 93. Regarde bien. La beauté. 1 plus 22 égale à 23. Et 22 moins 1 égale à 21. 21 plus 93 égale à 114. Allahu Akbar. Tu vois? Allahu Akbar. Je répète. Donc là où j'ai commis l'erreur, observe bien. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Voilà. Là où j'ai commis l'erreur, on revient. Pour que tu le vois bien, regarde bien. Là où j'ai commis la faute. Ici, ça s'appelle le 44, n'est-ce pas? Très bien. Le A, il devait être là. OK. On l'a rectifié. Le A se pose. Son numéro alphabétique, tu es bien d'accord que c'est 1. Il se met devant le CAF. OK. Donc, 1 plus 22 égale à 23. Donc voilà le premier, le 23, la durée de la révélation. 22 moins 1 égale à 21. Et on a le total de tout ça égale à 93. 93 plus 21 égale à 114. OK? Parfait. Maintenant, on descend. Observe bien. Le total de cette partie-là, ça te rappelle quelque chose. C'est le fameux 44. Le 44 va appeler le 193. D'accord? 193 moins 44 égale à 149. 149 va appeler le 35. 149 moins 35 égale à 114. Parfait. Observe encore. Observe encore, encore et encore. Donc, je t'ai mis ici. Donc, 93 plus 21 égale à 114. Et 1 plus 22 égale à 23. Et la boucle est bouclée. Regarde bien, on n'a pas encore fini. Maintenant, observe. Avant de te montrer ça, je vais te montrer d'abord ce qui t'a posé problème. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quoi que tu fasses, supprime cette ligne. D'accord? Ils vont faire la même chose. Supprime cette ligne. Ils vont faire la même chose. Supprime cette ligne et dis-toi, je vais sommer par rapport à cette ligne. Ils vont faire la même chose. Supprime cette ligne et supprime cette ligne. Ils vont faire la même chose. Dis-toi, je vais supprimer tous les premiers chiffres et je vais laisser que les derniers chiffres. Et je vais faire la même chose ici. Et ils vont travailler de la même manière. Phénomène. Habibi, ça ne s'arrête jamais. Attention.
Et je dis, j'ai tout essayé pour les casser. Je n'ai jamais réussi. Rrr, jamais, au grand jamais. Allah est derrière, Habibi. Allah lui-même est derrière. Observe maintenant. Après, je vais te montrer cette partie-là. Observe maintenant. Regarde bien. Donc, tu me dis, tu as raison, il y a eu l'erreur, parfait. Mais tu as vu, même avec l'erreur, tu as vu ce qu'ils ont fait. Maintenant, regarde. Là, ce 1 a rajouté 1 au 226. Donc, il y a eu un petit 1 qui a fait le changement. Regarde. Une fois que le 1 s'est rajouté au 226, ce nombre est devenu 227. C'est pas n'importe quel nombre, attention. C'est Sourate Shuara, le 31e nombre premier de le Coran. Sourate Shuara, le 31e nombre premier de le Coran. Attention. Donc c'est un nombre premier. Il a reçu l'ordre d'Allah d'être premier. Pourquoi? Regarde ce qui va se passer. Donc son rang est 49. OK? Ce qui fait que le total ici devient 609. Parfait. On applique la même méthode. On applique, donc là, on va mettre à 24. On applique la même méthode. On a 11 ici, 39 ici. Donc ici, la même méthode, c'est quoi? Je cherche le reste de la division de 609 par la durée de la révélation. Ça fait 11. Ici, le reste de la division de 609 par la révélation. Ça fait 39. 11 est un nombre premier qui a comme rang 5, 3, 2, 1. Parfait. Ça me donne ce total. Est-ce que tu connais ce total? 61. C'est un numéro, un nombre que tu connais parfaitement maintenant. Lui, il va appeler le 18, son rang, d'accord? Et il va travailler avec son rang, tu vois, pour former le 114. Donc, ici, la somme a donné 609. Maintenant, on va faire, puisqu'on a fait 333 plus 227 plus 49 égale à 609, on va faire 333 moins 227 moins 49. C'est ce qu'on fait ici. 333 moins 227 moins 49 égale à quoi? Égale à 57. Tu le connais, 55. 57, la moitié de le Coran. Donc, il pointe vers lui. La moitié de le Coran. Et quoi? Quoi d'autre? Surat al-Hadid, c'est-à-dire la puissance. La puissance totale, Sourate al-Hadid. Parfait. Observe bien. On n'a pas encore fini. Maintenant, on va prendre cette partie. D'accord? On prend cette partie. Regarde bien. On prend cette partie. D'accord. Donc, voilà ce que j'ai fait ici. Ici, c'est la somme de la... Donc, c'est ici que j'ai commis la faute, n'est-ce pas? C'est cette colonne-là. Le coronavirus, COVID-19, en français. D'accord? Parfait. Observe bien. Observe la puissance. Observe. La somme égale à 65. 65 plus 49 égale à 114. Ce 49 est le rang de 227, attention. Donc 49 plus 65 égale à 114. 65 plus 49 égale à 114. La boucle est bouclée. On regarde encore. Le reste de la division de ce nombre par 23 égale à 19. 19 est un nombre premier, son rang est 8. D'accord? Ici, on somme tout. D'accord? Parfait. On regarde bien. Ce nombre, 161. Le reste de la division, donc lui, il n'est pas divisible par 114. C'est pour ça qu'on a divisé que par 23. Ici, c'est, on le divise par 114 parce qu'il est divisible par 114. Mais 161 divisé par 114, il n'y a pas de reste de la division. Donc, on regarde bien. Égal 161 divisé par 114 égale à 1,4. Pourquoi il me fait ça? Non, c'est le reste de la division par 23, attention. Donc on le fait ici. Comme ça, on ne perturbe pas le travail. 161 divisé par 23 égale à 7. On regarde le clin d'œil encore. 7 plus 23 égale à 30. Le fameux 30 de Al-Mubin. Et si j'ouvre le 7, si je cherche son rang, ça me donne 4. 30 plus 4 égale à 34. 34 va appeler le 139. 139 plus 34 égale à 173. 173 est un nombre premier qui a comme rang quoi? Qui a comme rang 40. Parfait. Maintenant, observe bien. Donc,
Ici, c'est 0. Il n'y a pas de rang. Et le reste de la division de 161 par la révélation égale à 47. 47 est un nombre premier qui a comme rang 15. Regarde maintenant la beauté. Le rang ici et le rang ici, deux rangs, d'accord, qui ont travaillé ensemble pour former le 23. 8 plus 15 égale à 23. Il nous reste quoi? Il nous reste les premiers, les deux nombres premiers. 19 plus 47, tu vois, Allah te montre là. Moi, je ne réfléchis même pas. Je ne réfléchis pas. Je le fais les yeux fermés. Regarde bien. Les rangs ont travaillé pour former le 23. Et les nombres premiers ont travaillé pour faire quoi? Pour former le 66. 19 plus 46 égale à 66. Maintenant, observe ce 66. Le 66, regarde ici. 166 plus 48 égale à 114. Ok. Si tu me dis, ok, pourquoi il ne regarde pas ici? Ok. 66, regarde le 1, ça fait 67. 67 est un nombre premier qui a comme rang 19, qui a comme rang 8. 67 moins 27 égale à 40. Autre chose. 66 plus 1 égale à 67. 67 plus 47 égale à 114. Est-ce que tu as déjà vu ça? D'accord? Est-ce que tu as déjà vu ça? Maintenant, observe. Le 66 avec le 33. 66 moins 33 égale à 33. Il insiste. Il insiste parce qu'il va appeler son nombre premier 137. Et 137 moins 114 égale à 23. Mais maintenant, si on fait plus, 66 plus 33 égale à 79. 79 l'attend lui. 79 plus 15 égale à 114. Quoi que tu fasses, Habibi. Quoi que tu fasses, tu ne peux que tomber sur ces fameux nombres. Bon, tu as vu la puissance de la chose ou pas? Est-ce que tu as vu? Regarde la beauté de la chose. D'accord? Maintenant, on va venir ici. Regarde, regarde la beauté. Et tu pourras, toi, trouver des infinités de choses. Attention, ça ne s'arrête jamais. D'accord? Regarde bien. Le 33 plus le 7 font le 40, le fameux 40, attention. D'accord? Maintenant, observe. Observe bien. Tu vas voir que là où il y a eu l'erreur, pointe vers la correction de l'erreur. Regarde bien. Ce 609, je le somme ici. Donc ici, on a eu ces deux nombres-là. Ici, on a eu ces deux nombres-là. Ici, il y a eu le rang. Donc je somme le total de tout, 609, plus 559. Observe la beauté. Observe la beauté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. 556 plus 609 égale à 1168. La factorisation de 1168 donne ça, c'est-à-dire la décomposition en produit de nombres premiers. Tu sais bien que la totalité des nombres de l'univers, quand ils ne sont pas premiers, ils sont décomposables, factorisables en un produit, en une multiplication de nombres premiers. C'est ça qui fait la puissance des nombres premiers. Donc, une multiplication, je la somme. D'accord? Ça me donne 81. Gardons-le au chaud et observons. Je reprends ce 1168, 1168. J'applique la même méthode. Je divise par la durée de la révélation et je divise par la révélation. Ça me donne 46. Tu sais bien que le 46, c'est 2 fois 23. Parfait. Observe bien. 41, 81 plus 46 égale à 127, comme par hasard. 127 est un nombre premier qui a comme rang 31. 114 moins 31 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. D'accord? Donc, Allah a tout codé, attention. Tu peux me dire, prends le nombre de diviseur de 1,68, pose-le ici, hein, fais-le et tu verras. Prends n'importe quel nombre. Porte ça à la puissance au carré. Lui. D'accord? Pose ici le nombre. Et tu verras qu'ils vont travailler pour former toujours la même chose. Une fois que je suis arrivé ici, d'accord? Je me suis dit, ok, on va voir si il va y avoir la fameuse validation divine, qui est moi qui me dépasse. Celle-là, je l'ai découvert récemment. Quel que soit le travail que tu fais, d'accord? Tu sommes les chiffres, add 1, add 2, et tu verras qu'il va être validé. C'est-à-dire la fin ici va correspondre parfaitement avec la fin ici. Observe, observe. Regarde ce qui va se passer. Donc ici, j'ai la somme 34. Ça veut dire, je somme quoi? 5 plus 5 plus 9 plus 6 plus 0 plus 9. Ça me donne 34. D'accord?
La deuxième somme, ça me donne 7. OK. Et je fais la même chose jusqu'au bout du bout. C'est-à-dire, je somme tout ce travail-là, je somme et je fais la deuxième addition. D'accord? Observe. Observe. D'accord? Donc, première chose que j'ai remarqué, je vois qu'il y a un 23. 16 plus 7 égale à 23. Je vois qu'il y a un 41. 41 est l'identité numérique d'Allah. Il va appeler le 73 pour former le 114. OK, donc je fais quoi? Je me dis très bien, je vais couper ce tableau par rapport au 23. D'accord? Donc j'ai coupé. 34 plus 7 égale à 41. Ici, je le fais par rapport au 2, 23. Donc je somme. Je somme tout ça. Regarde. Parfait. Et ici, je somme tout ça. Et regarde la beauté. Tac! 114. Et tu n'as rien vu encore. Observe. Observe. Donc là, le 41 est un nombre premier qui a comme rang 13, qui a comme rang 6. Parfait. On regarde bien. Donc, ça, c'est la somme de tout ça. Cette partie-là. D'accord? Ce groupe-là. Tout ce groupe. Ça somme. Parfait. Observe bien. Donc, 272. J'applique la même méthode et ça me donne comme par hasard 63. D'accord? Parfait. Et là, ce 189. Observe-le. Je le pose ici. J'applique la même méthode et comme par hasard, ça me donne 80. 80, c'est 2 fois 40. Parfait. Je somme 80 plus 63. Ça me donne 143. J'applique la même méthode et ça me donne 34. Je me dis, moi, ça tourne ici autour du 40 ici. OK. Donc ça me donne 34. 34 appelle son nombre premier, 139. 34 plus 139 égale à 173. 173 est un nombre premier qui a comme rang 40. Donc tu vois bien que ça confirme que ça tourne autour du 40. Et je me dis, OK, maintenant, on a fait 80 plus 63, on va faire 80 moins 63. Et 80 moins 63 égale à 17. 40 moins 17 égale à 23. Et la boucle est bouclée. 63 moins 40 égale à 23. Et la boucle est bouclée. 80 moins 40 égale à 40. Et la boucle est bouclée. Tu vois, on arrive ici. Maintenant, est-ce que il va y avoir une rencontre entre ici et ici? Observe bien. Observe. On arrive ici. D'accord? On a la somme 70. 23 plus 70 égale à 83, 93. Ça te rappelle quelque chose. Lui, c'est la clé ici. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Je fais l'erreur ici, et comme par hasard, le 1 se rencontre avec le 2 pour former le 23. Et la somme de tout le tableau ici, c'est de la durée de la révélation, avec le reste, avec la révélation et avec le rang de 7, ça forme le 93. Donc tu vois bien que tout est codé à l'infini. Maintenant, si je fais 70 moins 23, 70 moins 23, comme par hasard, égale à 47. 47 est un nombre premier qui a comme rang 15. Soit 47 moins 15 égale à 32. Et observe bien la fin ici. 23. On le pose ici. Son rang. 23 plus 9 égale à 32. La boucle est bouclée. Il n'y a plus rien à faire. Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que tu as déjà imaginé ça? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je vois que j'arrive à 23 minutes. C'est bon, je t'ai montré ce qu'il faut que je te montre. Tu as vu la puissance. Maintenant, à toi, Inch'Allah, de continuer à travailler sur ces nombres. Ça marche, Habibi? Qu'Allah te bénisse. Aslah Allahu laka dunya wal akhirah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu auras le fichier pour tout vérifier, Inch'Allah. Ma'assalama.